Tu as entre 18 et 25 ans. Arrête aujourd'hui, prends ta vie en main et laisse le confort familial. La vie de demain, là, ça serait encore plus important qu'aujourd'hui. Tu es un jeune garçon, laisse affaire des femmes. Les filles pour lesquelles tu t'en vas acheter iPhone pour dire non, là, elle va me voir, elle va faire. Écoute, actuellement, là, il n'y a pas de belles filles. Je dis, il n'y a pas de belles filles. Je te lance un défi. Haut et fort, allons-y en 2030. Allons-y en 2025. Tu vas voir femme. Tu vas penser qu'elle est quittée en bas de l'eau. Tu vas penser qu'elle est quittée en bas de l'eau. Mais attendez, c'est maintenant, ils sont en train d'accoucher les belles filles. Mais les filles qui sont là sont vilaines. Laisse-les partir. Mais je t'affirme, si tu n'as rien en 2030, en 2025, là, les belles filles qui sont en train de sortir maintenant, tu ne les auras pas. Mon frère, il faut laisser ça. Tu ne les auras pas. Homme là, ton temps là, ça va rester. Il faut être vieux. Tu veux n'importe quelle fille, tu peux la voir. Elle est vieille là. C'est pour elle qui est grave. Les temps là, laisse. Il ne faut même pas te fier. Hey, c'est l'arrivée qui compte. Le départ là, ça compte pas. C'est l'arrivée qui compte. Tu vas arriver premier. C'est de ça qu'il s'agit. Arrêtons de nous faire mal nous-mêmes. Après regretter notre vie. Après rester là pour dire non, j'avais gagné de l'argent, hein, mais pourquoi j'ai fait ceci? Tu as mis ça où? Tu as fait quoi avec? Le pire encore, quand on dit lancez-vous dans des business, ne vous comportez pas comme ceux qui sont nés avec les cuillères en or dans leur bouche. Et oui, et la génération qui est inconsciente, c'est la génération dont les parents même sont pauvres. Ceux même qui ont des parents riches là. Ils sont beaucoup intelligents. Comment je peux avoir certaines personnes qui ont des iPhones et ils sont à taper des douches? Ils ont des iPhones alors qu'ils cherchent l'argent des gens. Ils ont des iPhones. Ce sont eux qui appellent les gens les vieux morts. Les vieilles mères. C'est impossible. À 20 ans, si tu ne sais pas ce que tu cherches, ça sera compliqué. À 20 ans encore, si tu ne sais pas ce que tu cherches, ça serait compliqué. Il va arriver une certaine fois où il faut dormir pendant une semaine, réfléchir convenablement sur sa vie avant de s'orienter. Oui, j'ai même dit à 20 ans. Je pourrais bien dire à 18 ans, mais je laisse à 20 ans. Parce qu'à 20 ans, je me suis dit encore que on n'a plus de mangane, ce qu'on appelle le cerveau mélangé avec le sable. L'enfanterie, là, c'est fini. Il n'y a plus affaire d'enfant, de gamin, non. Parce qu'à partir de 20 ans, moi, je me suis dit que tout le monde est prêt à prendre sa vie en main. Vous savez, la jeunesse de la Côte d'Ivoire s'est égarée. Je dis bien que la jeunesse de la Côte d'Ivoire s'est égarée. Quand je parle de la jeunesse, bon, je prends ça sur l'intervalle de 18 à 25 ans. Voilà, la jeunesse entre 25 et 18 ans s'est franchement égarée. Je vais vous dire que, à partir de 18 jusqu'à 20 ans, si tu ne sais pas ce que tu vas faire dans ce monde, je t'affirme que tu vas passer tout le temps à appeler tout le monde vieux père, à appeler tout le monde vieille mère. Tu vas jamais avancer. Je dis bien, tu vas jamais avancer. Je dis bien, à 18 ans jusqu'à 20 ans, si tu n'as pas pris le temps convenablement pour réfléchir, sur toi-même, ta propre vie, tu ne sais pas où tu serais demain. Parce que ce sont les hommes qui sont forts, qui savent demain où ils doivent être. Parce qu'ils ont déjà situé leur vie dans l'avenir. Mais pour toi, tu ne peux pas préméditer ta vie. Il faut préméditer ta vie. Et j'ai vu certaines personnes. Comment je sais qu'ils n'ont pas prémédité leur vie? Je prends l'exemple sur ma promotion. Moi, clairement, sur ma promotion, aujourd'hui, certaines personnes se sont égarées. Parce que je me sens étonné de voir certaines personnes encore venir me raconter des histoires comme quoi les parents se sont désengagés de leur vie active. Est-ce normal encore qu'à 25 ans, un parent doit te dire que lui s'occupe plus de toi et puis ça va te faire mal? Impossible! Ça va plus te faire mal. Et c'est normal. Il a en plein droit de te dire qu'à 25 ans, il va plus s'occuper de toi.
À part si tes parents sont riches. Moi, je sais que mes parents ne sont pas riches. À partir de 18 ans, j'ai pris ma vie en main. Donc, voilà. Et ceux qui savent que leurs parents ne sont pas riches à partir de 18 à 20 ans, ils doivent savoir structurer leur vie dans l'avenir. Ne vous comportez pas comme ceux qui sont nés avec les cuillères en or dans leur bouche. Et oui, et la génération qui est inconsciente, c'est la génération dont les parents même sont pauvres. Ceux même qui ont des parents riches, là, ils sont beaucoup intelligents. Comment je peux avoir certaines personnes qui ont des iPhones et ils sont à taper des douches? Ils ont des iPhones alors qu'ils cherchent l'argent des gens. Ils ont des iPhones. Ce sont eux qui appellent les gens, les vieux morts. Les vieilles mères. C'est impossible. Si tu es jeune, que tes parents sont pauvres, comme les miens, je fais appel. Contacte-moi. On va rentrer dans le coaching personnel. Parce que la génération qui y serait dans 10 ans, je vous affirme que si tu rates une étape cruciale dès ton avenir, dès maintenant, tu vas le regretter. Tu vas le regretter. Parce que ça sera une génération où il aura l'influence de la vie. L'influence de toutes choses. Vous pensez que maintenant, là, vous voyez les filles, à cause de, des filles, vous achetez des iPhones alors que vous ne pouvez rien faire d'autre. Vous dormez sur des nattes et c'est vous qui achetez iPhone. Pensant faire plaisir aux filles. Alors que vous-même, vous êtes loin d'être à la hauteur de ce que vous êtes en train de construire. De ce que vous êtes en train de construire. Donc, quelqu'un qui va acheter iPhone va d'abord réfléchir. Attends, vous achetez iPhone, c'est très bien. D'avoir iPhone, c'est très bien de bien s'habiller, c'est très bien de bien se parfumer, c'est très bien d'être luxueux. Wow, le luxe. Je vous affirme que ce sont les rêves de tout le monde. Avoir d'abord un iPhone, c'est être dans le luxe. Avoir d'abord une voiture, c'est être dans le luxe. Mais est-ce que tu as la hauteur de voir ces genres de choses? Si tu as la hauteur, je dis Dieu merci. Mes frères, si tu n'es pas à la hauteur d'avoir iPhone, pendant le moment, je suis en train de te dire que, attention. Attention. Parce que tu risques fort de te retrouver encore derrière au moment où les gens seront devant. C'est le cas. Tout de suite, je vous ai dit que je vois certaines personnes avec qui j'ai fréquenté, avec qui j'ai eu le bac. Aujourd'hui, je roule dans ma voiture, dans ma personnelle, et je les vois encore dans des bus. Dans des bus, ils luttent des bus avec des femmes qui s'en vont vendre dans Djamé puis revenir. Ils sont en train encore de lutter les bus. Nous appartenons à la génération 20-25 ans. Voilà, la majorité, on est entre 20 et 25 ans. Ne me dites pas qu'on est encore petit pour devenir ce qu'on veut devenir. C'est faux. C'est faux. La mentalité n'a jamais été changée. C'est pourquoi on est toujours en retard. On pense qu'il faut être vieux. Il faut avoir des cheveux blancs avant d'entrer dans la belle vie. Avant de rouler de grosses voitures. C'est n'importe quoi. Frère, c'est faux. Chez les blancs aujourd'hui, les blancs sur lesquels tout le monde veut copier, à partir de 18 ans, ils ne sont plus chez les parents. À partir de 18 ans, vous allez voir que ce sont des chefs d'entreprise. Ce sont des maîtres de maison. Non, quand je dis maître de maison, ça veut dire maître d'appartement. Il a maison personnellement, son nom est sur maison. Vous allez voir que son nom est sur sa voiture, son nom est sur une entreprise. Et nous, à partir même de 30 ans, on n'a aucun bien. On vit chez les parents, dans le salon de nos parents. Et on a toutes les disputes avec nos petits frères, avec nos petites soeurs, qui sont censées être encore chez les parents, alors que nous, on devrait être censés être dans notre propre maison pour les soutenir, peut-être, même pas financièrement, mais de manière idéologique. Mais on ne le fait pas. Combien de personnes ont plus de 25 ans qui sont aujourd'hui chez les parents? Combien de personnes qui ont plus de 25 ans qui vivent encore en famille? Combien de personnes qui ont plus de 25 ans
qui sont encore dans le confort familial. Je dis hélas. Mon frère, arrête ça. Alors, donc, quand je parle du bus, regardez, ce n'est plus important pour moi de lutter le temps avec les personnels du marché pour prendre le bus pour aller à la maison. Vous savez, Abidjan, c'est un problème. Prendre le bus pour aller à la maison. Moi, quand je vois déjà un étudiant qui veut prendre le bus pour aller à la maison, je dis, hey, c'est un étudiant paresseux. Moi, je n'ai jamais connu ça. C'est un étudiant paresseux. La preuve, parce que Abidjan, avant d'avoir le bus pour aller peut-être à Trècheville, si je quitte à Cocody, que je vais aller à Trècheville dans le bus, il faut te dire que tu vas d'abord rater 2 heures du temps avant d'avoir un petit bus pour aller. Mais maintenant, quand tu vas voir le bus, il faut te dire aussi que tu auras plus 2 heures avant d'arriver dans ton quartier. Imagine si arrivé là-bas, tu vas marcher à pied. Là, ça devient grave. Alors, la journée a combien d'heures? Et puis, tu vas rater ces heures. Mais toi, ta vie là, c'est pour faire quoi? Alors que tu pars à l'université, tu allais faire quoi? Tu allais faire combien de matières? Combien de matières ont suggéré la journée? Parfaitement rien même. Rien. Les bonnes personnes même là sont chez eux et puis ils étudient. Normalement, ils se présentent pendant les compos et frappent dur. Alors que tous ceux qui ont des sacs sur le dos aujourd'hui, qui disent qu'ils suivent encore les cours, ce sont les plaisantins. Ce sont les plaisantins. Les vrais étudiants, ce sont les vrais personnels qui n'ont jamais le temps. Ils n'attendent pas le bus. Quand il descend, il a toujours l'argent. Un étudiant a toujours de l'argent. Parce que être étudiant, c'est chic. C'est très intéressant pour celui qui n'est pas paresseux. Mais l'étudiant paresseux a toujours besoin d'argent. Bien sûr. Parce que l'étudiant, il a plus d'options, plus d'opportunités qu'un simple paysan. L'étudiant, dans Abidjan, tu fais le cours à domicile. Chaque fin du mois, ça sort. Dans Abidjan, il y a beaucoup de business qu'un étudiant peut faire. Tu te présentes comme un étudiant dans n'importe quel endroit, expliquant ton problème aux gens que, ah, vieux père, je vais venir gérer ta station dans mes heures libres. Je suis étudiant pour que le salaire à la fin du mois puisse m'aider à m'organiser dans mes petites démarches pour les cours. Ça lui fera un grand plaisir. Ça lui fera un grand plaisir de t'embaucher tout de suite. Vous ne voyez pas, quand vous voyez souvent les documentaires français, les documentaires américains, regardez, vous voyez souvent, moi-même, ça m'étonne souvent de voir un, deux, trois, une petite fille rouler une grosse voiture. Quand elle vient garer, on dit non, elle est serveuse et elle suit encore les cours. Oh non, on parle des universités où elle suit encore des cours. Alors qu'elle possède leur propre voiture, elle possède leur, elle loue des maisons avec leurs copines et encore, elles ont des cours à l'université qu'elle-même elle paye avec les propres fonds. Alors que ici, on s'est dit les enfants dont les parents sont pauvres, là, pour eux, la mentalité, partir à l'école, ils pensent qu'ils seront riches. Tu ne peux jamais devenir riche. Montrez-moi sur le doigt aujourd'hui celui qui avait les parents pauvres qui est devenu aujourd'hui homme riche pour s'occuper pleinement de ses parents. Donc, mon jeune frère, je te conseille, au niveau de iPhone, parce que j'ai essayé d'interroger plusieurs personnes qui ont les téléphones iPhone, qui m'ont expliqué comme quoi, quand tu as téléphone iPhone, automatiquement, tu es attiré sexuellement. Je ne cache pas les mots. Ça veut dire tu es attiré sexuellement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils veulent me dire que quand tu as iPhone, les filles t'adorent plus que ceux qui n'ont pas d'iPhone. Moi, je n'ai pas d'iPhone. Je n'ai pas d'iPhone, mais je ne peux pas dire ce qui se passe. Je n'ai pas iPhone, mais j'ai voiture. Je n'ai pas iPhone, mais j'ai des biens. Mais tu as iPhone, c'est bien. Mais je connais plusieurs personnes qui ont des iPhone, mais qui ont aujourd'hui problème d'argent. Qui ont aujourd'hui problème de déplacement. Qui ont aujourd'hui problème pour manger. Oui. Combien de fois j'ai vu mes propres amis. J'ai vu mes propres amis avec les iPhones, 4 caméras, 3 caméras, qui me demandent 500 000 francs pour aller manger. C'est comment?
qu'il me voit. C'est comment? Ah, mon gars, c'est dur. Est-ce que tu peux me donner 1000 francs? Il doit aller manger garba. C'est comme ça. On a le coup. On a fait ceci. On a fait ceci. Oh, le professeur là maintenant. Oh, lui, il vient pas. Attends. Vous voyez, ça fait pitié. Et quand tu vas leur dire pourquoi tu as acheté iPhone de plus de 100 et quelques 2000 francs alors que tu peux prendre cet argent pour acheter un petit téléphone qui peut te canaliser et puis après prendre le, comment on appelle ça, le reste de l'argent pour te lancer dans un petit business. Tu peux te rapporter chaque fin du mois quelque chose. Moi, je suis aujourd'hui, bon, je suis à la tête de trois, comment on appelle ça, de trois biens. Voilà. Vous voyez, au niveau de comment on appelle ça, je vais vous dire que mon premier business était l'enseignement à domicile. Dans l'enseignement à domicile, je vous affirme que voici Dieu, voici la terre. Je prenais 460 000 francs par mois. J'ai détaillé ça ici. Enseignement à domicile, je prenais 460 000 francs par mois. Donne-moi mon agenda. J'ai un agenda là-bas. Je vous montre. Hein? Voici mon agenda. Regardez. En tant qu'un bon, gars, il doit avoir son agenda. Regardez, voici l'agenda. Ça, c'est l'agenda de combien, de quelle année? Agenda 2020-2021. Voici ça. Tous mes programmes sont marqués. Regardez, hein, c'est pour moi. Tous mes programmes sont marqués. Mes programmes, mon temps, tout est marqué dedans. Voici ça. Tout est marqué dedans. Ici, là, il n'y a même pas le temps même pour le plaisir. Voilà. Le moment, là, quand je dis, bon, ok, je travaille sur mes téléphones en ligne parce que la majorité de moi, de mes business sont en ligne. Quand je suis sur mes téléphones, je suis concentré. Mais quand je finis, je dis, ok, je dois dormir pourtant. Pendant ce temps, je dois dormir sans parler à quelqu'un. Mais lorsque je me réveille aussi, je dis, je dois sortir. Si c'est pour aller faire des réunions, c'est pour aller faire des séminaires, pour aller faire les choses, pour aller étudier, je me dirige directement là-bas. Fais les choses correctement. Regardez. Ce prix que je viens de dire tout de suite, là. Il y a d'autres qui vont dire, aïe, il ne peut pas gagner ça là, il ne peut pas gagner ça là. D'accord, je vais vous montrer. Hein. Regardez ici. Regardez, hein. Ça c'est tout mon programme. Programme de la journée. Les programmes, les différents programmes. Voilà. Emploi du temps, regardez comment c'est chargé. Je vous montre maintenant les différents prix. Jeunes, c'est pour te motiver. Hein. Je m'adresse aux jeunes de entre 25 et choses. Et entre 25 et 18 ans. Attendez. Alors, donc, regardez. Regardez bien. Donc, regardez. Voilà. Et comment ça va s'appeler? Donc, regardez. Regardez les paiements. Il y a des endroits. Regardez bien. Il y a des endroits. Regardez où ça a commencé. 80 000, 40 000, 20 000, 80 000. Regardez, 75 000. Regardez les prix. Ça me fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'enseigne avec 11 groupes. Je travaille avec 11 groupes. Quand je prends la journée, quand j'ai le cours, je finis là. J'ai l'agenda bien placé. Je vais enseigner là. Je dis, tu as 1 heure, 30 minutes. Quand j'arrive chez toi là, tes parents n'ont qu'à me donner une excuse pour dire non, tu vas manger, ils t'ont envoyé. Non, mon heure commence à compter. Même si tu viens, qu'il me reste une heure, je finis une heure, je m'en vais. Mais c'est comme ça qu'on voit un homme. Je ne coupe pas. Oh. C'est comme ça qu'on voit un homme. Et mes business d'enseignement, c'est lorsque le coronavirus est venu, je vous affirme que ça a tout gâché. Tellement que ça prenait, j'ai même voulu être dans le business et créer une chaîne. Vous pouvez vérifier ça sur YouTube, sur Google, ou bien sur aujourd'hui, sur l'autre là, comment je vais appeler ça, sur Facebook, où vous pouvez écrire, vérifier en écrivant simplement la corruption et le népotisme en milieu scolaire. Je dis bien la corruption et le népotisme en milieu scolaire. Vous allez voir que Google a inclus ce cours dans son programme du népotisme. Tapez, vérifiez, je ne suis pas en train de mentir. Et vous partez sur YouTube en tapant Benjoin Assistance Éducative. Vous allez voir les différentes vidéos qui expliquaient avec qui je travaille, comment on travaille, quels sont les conseils qu'on donnait aux gens. Ensuite,
Lorsque le coronavirus était arrivé, j'ai vu que bon, ok, si je m'arrêtais d'enseigner pendant ces moments où on était confiné, l'argent, ça va finir. Je pouvais dormir avec cet argent, manger, faire ce que je voulais, parce que j'avais des comptes bancaires. Cet argent, je ne bouffais pas. J'avais des comptes bancaires. Plus de 2 comptes bancaires. Donc, j'ai pris cet argent automatiquement. Je dis, bon, je ne peux pas dormir comme ça, sans rien faire, parce que cet argent, si je le laisse ça, si ça ne travaille pas pour moi, ça va finir. Je suis entré dans le milieu avicole. Dès que j'ai fini ma formation dans le milieu avicole, j'ai anticipé même. Parce que quand tu veux, vouloir, c'est pouvoir. Vouloir, c'est pouvoir. Donc, quand j'ai fini, moi-même, j'ai fait mon élevage. J'ai fini dans mon élevage. Donc aujourd'hui, de un, j'ai un pied dans l'enseignement, j'ai un pied dans l'élevage et j'ai un pied encore en ligne. Donc je fais un business en ligne, le dropshipping. Et encore, j'ai investi dans des crypto-monnaies. Donc vous voyez, j'ai encore investi dans des crypto-monnaies. C'est pour dire que certaines fois, on sait, n'importe quel investisseur et n'importe quel entrepreneur, il y a des moments où ça peut être dur. Même si c'est dur aujourd'hui, mais il y a des moments où ça a été aisé. Il y a des moments où ça serait aisé, il y a des moments où ça serait dur. Vous voyez? C'est pas à tous les coups, ça va donner, mais il y a des moments où ça... Aïe! Donc, mes jeunes frères, ça m'étonne de vous voir toujours avec ces genres de choses alors que vous n'avez rien. Certaines personnes n'ont même pas de maison. Quand tu arrives chez eux, ils disent ils sont encore chez leurs parents, ils dorment encore sur les nattes, alors qu'ils ont des iPhones, ils vont à l'école, ils n'ont même pas de bic, alors qu'ils ont des iPhones. Vous allez voir que, mes frères, c'est pas bien. C'est pas bien. Changez de mentalité. Les jeunes Africains, les jeunes Ivoiriens précisément, changeons de mentalité. Vous avez bien suivi la vidéo où je vous ai dit que non. Si vous voyez dans la main d'un petit Malien qui a iPhone, c'est qu'il a Range Rover. S'il a Range Rover, c'est qu'il a une villa chez lui. Mais est-ce qu'on ne peut pas faire comme eux? Pour gagner de l'argent, ce n'est pas des miracles. Ce ne sont pas des miracles. Si c'est un miracle pour gagner de l'argent, tes parents auront de l'argent. Vous pensez que c'est pour... on peut devenir sorcier ou bien on peut devenir... On peut aller faire un médicament pour gagner l'argent. Moi, bon, c'est un autre monde. Moi, je sais que ça n'existe pas. Avoir de l'argent, aujourd'hui, là, c'est la volonté. Ça dépend des principes que tu vas suivre. L'argent, ça ne peut pas venir un coup. Ça, est-ce que quand tu veux manger du riz, là, tu peux prendre et puis commencer à manger. C'est pour toi que tu as vu, mais tu ne peux pas manger si tu n'as pas préparé ça. Tout le monde a mangé, mais si tu n'es pas préparé, tu ne peux pas manger. Tout le monde a une étoile, mais si toi, tu n'as pas essayé de laver ton étoile, là, ça ne va pas briller. Ça ne va pas briller, cher frère, cher soeur. Donc, frère, soeur, vous laissez ça. Tu as entre 18 et 25 ans. Arrête aujourd'hui, prends ta vie en main et laisse le confort familial. La vie de demain, là, ça serait encore plus importante qu'aujourd'hui. Tu es un jeune garçon, laisse affaire des femmes. Les filles pour lesquelles tu t'en vas acheter iPhone pour dire non, là, elle va me voir, elle va faire... Écoute, actuellement, là, il n'y a pas de belles filles. Je dis, il n'y a pas de belles filles. Je te lance un défi. Haut et fort, allons-y en 2030, allons-y en 2025. Tu vas voir femme, tu vas penser qu'elle est quittée en bas de l'eau. Tu vas penser qu'elle est quittée en bas de l'eau. Mais attendez, c'est maintenant, ils sont en train d'accoucher les belles filles. Mais les filles qui sont là sont vilaines, laissez-les partir. Mais je t'affirme, si tu n'as rien en 2030, en 2025, là, les belles filles qui sont en train de sortir maintenant, tu ne les auras pas. Mon frère, il faut laisser ça. Tu ne les auras pas. Homme là, ton temps là, ça va rester. Il faut être vieux. Tu veux n'importe quelle fille, tu peux la voir. Elle est vieille là. C'est pour elle qui est grave. Les temps là, laisse. Il ne faut même pas te fier. Hey, c'est l'arrivée qui compte. Le départ là, ça ne compte pas. C'est l'arrivée qui compte. Tu vas arriver premier. C'est de ça il s'agit. Arrêtons de nous faire mal nous-mêmes. Après, regretter notre vie. Après, rester là pour dire non, j'avais gagné de l'argent, hein, mais pourquoi j'ai fait ceci? Tu as mis ça où? Tu as fait quoi avec? Le pire encore, quand on dit lancez-vous dans des business, j'ai vu certaines personnes, même, bon, je peux dire dans ce mois de février, non, dans ce mois de mars,
J'ai enregistré près de 7, non pas de 7, hein, près de 11 comme ça, 11 appels des jeunes frères venant, par exemple, de la Côte d'Ivoire, qui ont eu vraiment de l'argent, mais qui ont investi à l'échec. Et encore, ils sont en train de regretter, simplement parce qu'ils ont refusé de sacrifier peut-être le dixième de leur monnaie, de leur chiffre d'affaires. Pourtant, s'il avait sacrifié peut-être le dixième de son chiffre d'affaires, peut-être, vous allez voir qu'il allait tout gagner. Quand je dis le dixième de son chiffre d'affaires, ça veut dire c'est de prendre une petite partie de ton argent pour te former, pour te faire coacher, pour comprendre d'abord le milieu, pour savoir où tu dois mettre des pas pour gagner. Et tu ne dois pas prendre l'argent. Attends, vous pensez qu'on peut marcher avec des œufs dans la main, dans des piquants? On ne peut pas. Tu vas les casser. Tu ne peux pas. Il faut d'abord prendre des œufs et payer quelqu'un devant toi pour dégager les piquants. Parce que tes mains sont occupées. Dégager les piquants pour que tu puisses passer paisiblement. Paisiblement. Mais si tu te dis non, je vais tout gagner, je ne vais pas donner mon argent à quelqu'un, je dois lancer et tout, tu vas perdre. J'ai vu des gens qui ont dépensé des millions aujourd'hui qui regrettent parce qu'ils n'ont pas fait le coaching personnel, parce qu'ils n'ont pas fait de formation dans leur business. Le monde de maintenant, c'est très compliqué. Je vais vous dire, sans formation personnelle, sans coaching, vous ne pouvez pas avancer. Le monde est bizarre. C'est pour ça que je vois aujourd'hui des gens, des grandes personnes qui viennent se mettre sur les réseaux sociaux pour dire non, j'ai payé ma maison là, ils m'ont arnaqué, mon argent là, l'autre vient, j'ai acheté terrain, ils m'ont arnaqué, et puis non, ça fait les baisses, ils n'ont qu'à donner Madame Dominique Ouattara pour nous. Arrêtez ça, vous faites comme si vous n'avez jamais été des experts. Arrêtez ça. Vous êtes trop grand pour venir crier comme ça. Comportez-vous comme des experts avant d'aller acheter la maison. Mais il y a des gens qui sont spécialement dans le domaine. Ils sont experts dans le domaine. Est-ce que tu as fait appel à un expert dans le domaine? Parce que si quelqu'un, bon, par exemple, si moi je suis aujourd'hui dans la maçonnerie, je ne peux pas construire ma maison aujourd'hui. Et puis, aller acheter des bois pour dire je vais venir, comment on appelle ça, mettre la toiture, jamais. Je vais acheter des faux bois et c'est comme ça. Je serai obligé de payer d'abord quelqu'un qui maîtrise, qui va aller me dire achète ça, achète ça, achète ça et il va venir faire. Vous allez voir qu'il n'aura pas de. Mais lorsque tu prends la décision, tu penses que tu es trop intelligent, et puis tu dis non, je suis trop intelligent, ils ne vont pas me faire ça, ils ne vont pas me faire ça. Tu vas te faire voir. Et c'est ce que d'autres personnes ont fait. Ils ont dépensé combien? Près de 10 millions, près de 20 millions, près de 30 millions, près de 40 millions. Alors que s'ils ont utilisé seulement que le dixième de ce montant pour payer quelqu'un qui est dans le domaine pour les suivre, vous allez voir que ça n'allait pas arriver. Pourquoi? Je vois les gens, ils ont acheté le terrain, ils sont dans des voitures et puis ils font des vidéos. Ah, j'ai acheté terrain, ils m'ont arnaqué. Qui t'a arnaqué? C'est toi-même, tu ne sais pas où tu dois mettre ton argent. Quand tu t'en vas, ils savent que tu ne connais pas là. Eux là, ils jouent avec ta vie. Arrêtez ça. Ils jouent avec ta vie. Aïe. Vous pensez que les gens là, ils sont en train de vous donner une leçon. C'est pour dire, quand tu es venu, tu vas l'acheter terrain. Il fallait voir d'abord les gens qui sont bien dans le domaine pour vendre les terrains, pour acheter les terrains. Toi, tu sais, ton domaine où toi tu es là, c'est toi qui connais. Mais toi, tu sais comment toi tu fais pour gagner l'argent dedans. Parce que quelqu'un doit venir te prendre dans ton domaine pour te payer. Donc, quand toi tu viens aussi là, prends quelqu'un dans le domaine pour le payer. Mais quand tu es méchant comme ça, Dieu te juge et ils vont te taper. Vous pensez que c'est injuste? C'est Dieu qui a jugé. C'est ce que moi je dis. C'est Dieu qui a jugé et puis ils t'ont tapé. Ton argent là, c'est maudia. Ça coûte ça, c'est caté. C'est maudia même. Aïe. Tu penses quoi? Quand tu viens là, il faut savoir étudier des principes. Prends d'abord des conseils. On prend d'abord des conseils. Donc, frère, en tout cas, le seul conseil que moi je peux donner, c'est que je veux que la génération ivoirienne de 18 à 25 ans soit consciente. Qu'ils arrêtent les choses mafieuses. Qu'ils arrêtent de se machiavéliser dans des histoires qui n'ont rien à voir avec le destin qui les a vus naître. En tout cas, ce n'est pas le destin qui nous a vus naître d'être aujourd'hui dans les rues, d'être aujourd'hui
à la remercier des gens qui n'ont rien à voir avec notre vie. Ne pense pas que je vais être bien avec des gens qui sont au dehors, pourtant mes parents ne sont pas bien avec moi. Non! Ne dites pas que vous avez plus de 18 ans, vous êtes rejeté par la famille et puis c'est là que vous allez vous venger. Ah, j'ai 18 ans, mes parents m'ont laissé tomber. Actuellement là, je souffre. Mon gars, laisse tomber. Ça va nulle part. Arrêtez ça. L'union fait la force. Unissons-nous et travaillons paisiblement. Et vous allez voir, il n'y aura pas de regrets. Il n'aura pas de regrets.